Dans cette vidéo, nous allons voir quelques exercices sur la statistique. Ici, nous allons voir la droite médiane médiane. Alors, regarde un exercice important ici. Ils nous disent déterminer l'équation de la droite médiane médiane associée à la distribution suivante. Alors, ici, ils veulent qu'on détermine l'équation de la droite médiane médiane de la distribution. En fait, une distribution, c'est quoi? C'est un nuage de points. Et un nuage de points, c'est aussi un graphique. Et en général, on a besoin d'une règle pour chaque graphique. Alors, l'une des règles qu'on peut utiliser pour un nuage de points, c'est la droite médiane médiane. Nous avons déjà vu qu'on peut utiliser aussi la droite de Meillet. Droite de Meillet. Nous avons vu comment on trouve la droite de Meillet. On peut aussi associer un nuage de points à la droite médiane médiane. Donc, droite médiane médiane. Alors, regardons ici comment on trouve l'équation de la droite médiane médiane. Pour trouver l'équation de la droite médiane médiane, la première chose qu'on va faire, c'est ordonner de mettre le plus petit ou plus grand nos points selon l'axe des x, selon les x, et si nécessaire, selon les y. Donc, on va faire ça serait mes x, ici, ça serait mes y. Voilà. Là, ça va être x. Donc, j'écris ici, ça c'est x et ça c'est y. Et là, je vais les ordonner. Je prends le plus petit x, c'est ici. Donc, j'ai 1, 8. Donc, je vais faire 1, 8. Est-ce que j'ai 2? Oui, j'ai 2. Donc, j'ai ici 2, 5. Après 2, j'ai 3. J'ai ici 3 et j'ai ici 3. Et bien, puisque j'ai 3, 3, le x est le pareil. Donc, je prends celui dont le y est le plus petit. Donc, je vais faire 3, 7 et puis 3, 12. Après, je regarde ce que j'ai 4. Oui, j'ai 4, c'est 4, 9. Après 4, j'ai 5. Donc, j'ai 5, 5. Après 5, j'ai 6. 6, 8. Après 6, j'ai 7. 7, 6. Après 7, j'ai 8. Donc, 8, 3. Après 8, j'ai 9. C'est 9, 7. Et après 9, j'ai 10, c'est 10, 5. Alors, une fois qu'on les a ordonnés du plus petit au plus grand, eh bien, il faut les partager en trois groupes. Le premier groupe et le dernier groupe doivent avoir le même nombre d'éléments. Le deuxième groupe, lui, il pourrait avoir soit le même nombre ou un nombre ne doit pas avoir une différence de plus d'une unité. Par exemple, j'ai combien d'éléments ici? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, j'ai 11. Donc, puisque je vais le partager par 3, donc je vais diviser par 3. 11 qui divise 3, ça me donne 3. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai des groupes 3, 3, 3, il me reste 2. Le premier groupe et le dernier groupe doivent toujours avoir la même taille, mais le deuxième ne doit pas avoir une taille plus qu'une unité de plus, ou bien une unité de moins. Donc, ça serait plus de faire une unité ici, une unité ici, comme ça j'aurai 4, 3, 4. Parce que si j'ai fait les deux au milieu, ça va faire 5, ça va faire une différence de 2, mais on ne doit pas avoir ça. Le maximum de différence, ça doit être une différence de 1. Donc, je vais les partager maintenant en 4, 3, 4. Donc, je vais les partager, comme ça, on va les partager, 4, 3, 4. Donc, ça, c'est les premiers, ça, c'est 4. Les autres 3, ici. Et j'ai les derniers 4. Donc, voilà, maintenant, je peux effacer ça, ici. Et maintenant, une fois qu'on les a partagés, on va faire la médiane. Donc, on doit trouver la médiane. La médiane ici et la médiane ici. Médiane et la médiane. Alors, la médiane, vous souvenez que pour trouver la médiane, il faut les ordonner les nombres du plus petit au plus grand et prendre le centre. Ici, il n'y a pas de centre. Donc, le centre est entre 2 et 3. Donc, on va faire 2 plus 3 qui divise 2. Qui me donne 5 qui divise 2, c'est 2,5. Donc, celui-là, c'est 2,5. Alors, je regarde ceux-là. Ceux-là, ils ne sont même pas en ordre. Donc, je dois premièrement les mettre en ordre. Donc, ça va être 5, 7, 8... et 12. Pour trouver la médiane. La médiane, c'est entre 7 et 8. Donc, je vais faire 7 plus 8 qui divise 2 qui me donne 7,5. Donc, ici, c'est 7,5. Alors, ici, ils sont déjà en ordre. 4, 5, 6. Donc, la médiane, c'est le centre. Donc, le centre ici, bien clair. 5. Ici, ils ne sont pas en ordre. Donc, on va les mettre en ordre. Donc, ça va être 5, 8,
9. Et le centre, c'est 8 maintenant. Donc, ici, ça va être 8. Ici, ils sont déjà en ordre. Donc, je vais faire le centre, il est entre 8 et 9. Donc, 8 plus 9 qui me donnera, qui divise 2, qui me donnera 8,5. Donc, celui-là, c'est 8,5. Ici, ils ne sont pas en ordre. Donc, je vais les mettre en ordre. Donc, j'ai 3, 5, 6 et 7. Et le centre, c'est entre 5 et 6. Donc, je vais faire 5 plus 6 qui divise 2, qui me donne 5,5. Donc, celui-là, c'est 5,5. Et là, j'ai trois points. J'ai ce premier point-là, qu'on appelle le point M1. J'ai le deuxième point ici, qu'on appelle le point M2. Et j'ai le troisième point ici, qu'on appelle le point M3. Alors, une fois qu'on a trouvé le point M1, M2 et M3, on doit trouver un quatrième point qu'on appelle le point P. Donc, je vais remonter ici et on va trouver le point P. Donc là, je vais souligner ici, comme ça, et on va trouver le point P. Alors, comment on trouve le point P? Eh bien, je vais écrire ici, ça serait le point P. Pour trouver le point P, en fait, on fait la moyenne des points des M. Ici, je fais 2,5 plus 5 plus 8,5 qui divise 2, qui divise premier, pardon, 3. Alors, l'autre, j'ai fait ici la même chose, 7,5 plus 8 plus 5,5. On fait ceux qui sont en jambe, on fait leur moyen, ça veut dire les points M1, M2 et M3. Alors, si je fais le calcul ici, eh bien, je vais trouver 5,33 et ça, c'est en fait 7. Alors, voilà, j'ai trouvé mon point P. Donc, je vais les écrire mes points. J'ai le point M1 ici qui est 2,5 7,5, le point M2 qui est 5, 8, et le point M3 qui est 8,5, pardon, 8,5, et puis 5,5, et puis le quatrième point, c'est le point P qui est 5,33, et puis 7. Donc, une fois qu'on a trouvé nos quatre points, maintenant je peux effacer ce tableau-là. Il m'a permis de trouver les quatre points. Et là, je vais trouver la règle maintenant. Donc, j'écris ici « règle ». La règle de la droite médiane médiane. La règle, c'est quoi? C'est Y est égal à AX plus B. Là, il faut faire attention. Ici, je vais écrire « trouver le A ». Alors, pour trouver le A, on utilise les points M1 et M3. Donc, je vais l'écrire ici. On utilise le point M1 qui est 2,5, 7,5 et le point M3 qui est 8,5, 5,5. Et là, comment je vais calculer le A? Eh bien, je fais la fameuse formule A est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et là, j'écris Y2, ça c'est mon X1, Y1, ça c'est mon X2, Y2. Alors, Y2, c'est 5,5 moins Y1, 7,5, qui divise X2, c'est 8,5, moins 2,5. Et si je fais ce calcul, 5,5 moins 2,5, c'est moins 2, qui divise 8,5 moins 2,5, c'est 6. Alors, ça me donne ici à peu près moins 0,33. Alors, voilà, j'ai trouvé le A. Maintenant, trouver le B. Alors, pour le trouver le B, on utilise le point P. Donc, j'écris P, 5,33, 7. Alors, pour trouver le P, donc, pour trouver le B, c'est le point P. Et là, j'écris la règle avec les informations que je connais. Y est égal à A. A, c'est moins 0,33X plus B. Et là, je vais utiliser X et Y ici. Et là, j'écris 7. Elle est égale à moins 0,33 fois 5,33 plus B, qui me donnera finalement 7 est égal à moins 0,33 fois 5,33, ça me donne moins 1,76 plus B.
Là, j'isole la variable, je fais plus 1,76, plus 1,76, ces deux-là vont partir, ça me donnera maintenant 8,76 est égal à b. Et maintenant, ma règle, y, elle est égale à a qui est moins 0,33x plus b qui est plus 8,76. Alors, vous voyez que le M2, on ne l'a pas utilisé pour trouver l'équation de la droite parce que le M2 nous a servi à trouver le point P quand on a fait la moyenne. Donc, faites attention, pour trouver le point A, on utilise le point M1 et le point M3. Et pour trouver le B, on utilise le point P. Donc, voilà pour cette vidéo. Faites les exercices du site du nouveau manuel. On va faire un aide-mémoire pour ce chapitre. Comme ça, on va mettre les étapes pour trouver la droite de Mayer ou pour trouver la droite médiane. Donc, faites les exercices de vos manuels et du site. Et si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter.